Pardon. Maintenant, j'ai le plaisir d'être à côté de Brigitte Bardot, car c'est l'entracte. Et Brigitte Bardot va représenter, si vous le voulez bien, et si vous le voulez bien, vous aussi. Vous savez, je suis très émue. Vous êtes très émue? Ah oui, très émue, parce que je trouve que cette femme, cette cantatrice, a une voix merveilleuse. D'abord, elle est royale, on dirait une princesse, et puis elle chante divinement bien, vraiment. Et là, je dois dire, une allure extraordinaire. Oh oui, vraiment. Et même, on a l'impression que le son sort d'elle-même sans aucune facile, difficulté. Facile. Vous avez envie de chanter après avoir vu ça? Non, mais j'ai envie de retourner la voir chanter. D'ailleurs, je voudrais avoir une confidence, Brigitte Bardot. Est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Écoutez, moi, je ne suis encore jamais allée voir un grand opéra de ma vie. C'est la première fois. Pour moi, c'est vraiment tout nouveau. Et je dois dire que j'ai bien choisi. Parce que vous appartenez à une génération qui aime beaucoup mieux, par exemple, le jazz que le bel canto. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion. Quand je suis déjà venue à l'opéra, c'était pour voir des ballets, mais pas pour entendre un grand opéra, par exemple. Et alors, est-ce que la Callas vous a converti maintenant? Ah oui, la Callas m'a émue. Je suis vraiment. Terriblement émue d'entendre cette femme qui chante si bien, c'est extraordinaire. Oui, et je dois dire que tout le public parisien a été, je d'ailleurs, crois... D'ailleurs, elle a été applaudie, enfin, elle a vraiment conquis Paris, j'ai l'impression. Vous qui connaissez les Trillons, vous qui avez assisté soit au vôtre, soit à ceux d'autres personnalités du spectacle, est-ce que vous avez déjà vu une salle aussi enthousiaste? Non, une aussi belle salle et une aussi belle cantatrice, jamais. Eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, car je sais que tout le monde vous attend, les journalistes vous attendent, les photographes sont là, vous avez votre parterre, et je crois que vous devez vous donner à cette entracte, car le public parisien vous attend. Merci Brigitte Bardot. Bonsoir. Bonsoir.